Les centres socioculturels ne sont pas nés de n'importe quoi, de n'importe où, et ils ont un certain nombre de substrats de base, de terreaux sur lesquels ils s'appuient, qui sont trois thématiques que nous allons vous présenter assez rapidement. D'une part, l'éducation populaire, d'autre part, le développement social local, et enfin, le renforcement ou le développement du pouvoir d'agir. Alors peut-être, Jean-Noël, quelques mots sur l'éducation populaire. Alors quelques mots en sachant que il faut pas associer centre socioculturel à la création d'éducation populaire. L'éducation populaire, c'est quelque chose qui existait et même avant les centres socioculturels. Alors quand on dit éducation populaire, assez naturellement, on pense éducation nationale. Et c'est pas pour rien parce qu'il y a probablement à cette époque, parce que ça fait plus d'un siècle, deux conceptions qui pouvaient s'opposer. L'éducation nationale, une manière de former, d'apprendre un peu élitiste, et l'éducation populaire qui se voulait être plus populaire, c'est-à-dire que la manière d'apprendre, sachant que tout le monde pouvait acquérir des connaissances tout au long de sa vie, c'est une autre manière C'est d'imaginer quelle les époque à peu apprentissages. près, ce Il faut compter concept? fin 19e, véritablement pour voir le développement de l'éducation populaire. Alors, des modes de transmission différentes et au bout du bout, un développement pour l'accès pour tous, l'accès aux loisirs, l'accès à la culture, l'accès à la connaissance. Donc derrière l'éducation populaire, il y a cet accès pour tous, donc moins élitiste. Alors, dans ce champ-là, donc il y a ce qu'on appelle les grandes familles de l'éducation populaire, notamment les Francas, les CVA, les foyers ruraux. C'est cette mouvance-là? C'est cette mouvance-là, mais pas que. Ils en font partie, c'était les mouvements laïcs en l'occurrence. Mais quand on parle d'éducation populaire, les syndicats se revendiquent aussi de l'éducation populaire, des mouvements confessionnels se revendiquent aussi de l'éducation populaire. Par contre, c'est vrai que les mouvements aujourd'hui de jeunesse et d'éducation populaire ont été peut-être plus marqués ou plus identifiés parce qu'ils ont développé de l'action de loisirs, de l'action en direction de la jeunesse, de l'éducation plus directement. C'était la naissance des sociétés d'éducation populaire. On faisait du théâtre partout. Et c'était peut-être pas pour rien si on faisait du théâtre partout d'ailleurs. Parce que apprendre à faire du théâtre, c'est apprendre à s'exprimer. C'est apprendre éventuellement à parler. C'est apprendre à être porte-parole. Et si on dit mouvement d'éducation populaire et si on a dit qu'on voulait avoir une formation un peu moins élitiste, c'était aussi pour ces mouvements, former ses troupes, ses D'accord. militants. Alors, il y a un deuxième concept, le développement social local. Alors, qu'est-ce qui le distingue de l'éducation populaire? C'est parce que dans le temps, c'est des moments différents, ou est-ce que c'est parce que ça se singularise? Alors, développement social local, c'est plus récent. Ça fait 50 ans. Donc, c'est après la Deuxième Grande Guerre. Pas la Grande Guerre, si on peut dire ça comme ça. Mais effectivement, où il y a une situation un peu particulière, il y a une urbanisation très forte, il y a de l'exode rural. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, on entendait parler vivre et travailler au pays. Ça voulait dire, à un moment donné, c'est est-ce qu'on peut rester sur place et faire en sorte que on considère qu'il n'y a pas que des handicaps sur les territoires où on est. Et donc, le développement social local, c'est plutôt une approche très optimiste. Allez, moi je dirais trois ingrédients. C'est un, les gens ont du potentiel, c'est-à-dire ils savent faire, ils ont des compétences, ils savent faire. Deux, les territoires sur lesquels ils vivent ont des compétences, c'est-à-dire qu'il y a des possibilités. Et trois, si on n'est pas trop ballot, on essaye de faire ça ensemble, parce que unis, on sera un petit peu plus puissant à pouvoir développer de l'action multiple. Alors, beaucoup de réseaux solidaires sur la mobilité, sur Oui, les c'est ça. jardins Donne-nous peut-être partagés. quelques exemples concrets de ce que nous appellerions, nous, développement social local, à partir des centres sociaux, puisque c'est ce qui nous réunit Alors, aujourd'hui. il y a eu autour de l'économie, mais quand on parle de jardins partagés, par exemple, quand on parle de réseaux solidaires, quand on parle d'épicerie sociale, ça fait partie des concepts de développement social local, sur lequel, effectivement, on se prend en charge et on essaye de développer les services à la population, mais en s'appuyant sur le potentiel local. Voilà un peu plus dégrossi sur éducation populaire et développement social local. Peut-être, Christiane, quelques éléments sur le développement ou le renforcement du pouvoir d'agir, qui est un concept encore plus récent. Ben oui, c'est celui qui a été porté largement par le Congrès hein, de juin 2013. C'est une notion qui nous vient des pays anglo-saxons, empowerment. Donc ça consiste effectivement à avoir la conviction que les individus, mais aussi les collectifs, sont capables de prendre en charge par une mobilisation et une réflexion des problèmes, j'allais dire, de la vie quotidienne, mais sous-vie quotidienne, c'est pas minoré, des problèmes qui les concernent. Par Et exemple. par exemple, un problème avec un bailleur dans son immeuble. L'idée, c'est effectivement, constatant
la récurrence de ce problème, c'est de pouvoir l'analyser et d'essayer, avec les groupes concernés, de trouver les leviers pour résoudre ces différentes questions. Alors, ceux qui font ça, excuse-moi, je te coupe, mais pour essayer de clarifier, ceux qui font ça, quels sont-ils dans les centres sociaux? Ce sont les directeurs, les bénévoles, les trésoriers, les animateurs? C'est un métier, Alors là, tu mets le doigt sur quelque chose qui est quand même encore devant nous. C'est forcément les animateurs au sens large dans les centres sociaux. Ça peut être des directeurs, mais ça peut être aussi des agents de développement local. Ce qu'on constate encore aujourd'hui, c'est qu'on a un chemin à faire en méthode d'intervention avec cette conviction-là que les personnes peuvent se mobiliser la plupart du temps collectivement pour résoudre leurs problèmes. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'il faut qualifier des personnels dans les 30 000 salariés des centres sociaux, il faut qualifier un certain nombre d'entre eux pour accompagner des personnes afin de développer leur capacité d'agir, ce qu'on appelle le renforcement de pouvoir d'agir. Mais est-ce qu'il n'y a pas déjà une démarche entreprise nationalement là-dessus? Alors, le mouvement fédéral a déjà engagé un certain nombre d'opérations de qualification des acteurs. On est sur une fournée, de mon point de vue, à 10 ans. Après, comment est-ce qu'on va réussir à introduire ce concept-là dans les écoles de formation, entre guillemets, traditionnelles? Ça sera certainement aussi un enjeu de la Fédération nationale. Et puis quand même, ce qui me semble important à dire, c'est qu'il y a, dans la posture des administrateurs, qui souhaitent promouvoir cette façon de travailler dans le centre social, une attention particulière à leurs professionnels. Il faut que ces professionnels aient clairement le mandat de leur conseil d'administration pour rentrer en écoute fine de ces populations. C'est-à-dire que si l'animateur est à la sortie de l'école ou au bistrot, on peut considérer qu'il est en train d'écouter le territoire et pas de bailler aux corneilles. Et deuxièmement, chaque étape du processus demande à ce que le professionnel soit conforté par un mandat explicite de son conseil d'administration. Là-dessus, pour les administrateurs, j'attire vraiment l'attention que ça ne fait pas sans le dire. D'accord. Ok. Alors, l'idée, vous l'avez compris dans ce petit temps de vidéo, c'était d'asseoir les repères sur lesquels nous sommes dans les centres socioculturels à travers quelques épisodes historiques.